Ainsi, dois-je saisir cette occasion pour proclamer solennellement mon pardon à tous ceux qui m'ont fait du mal pendant la lutte que j'ai menée. Répétais-je, dois-je saisir cette occasion pour proclamer solennellement mon pardon à tous ceux qui m'ont fait du mal pendant la lutte que j'ai menée pour l'instauration de la démocratie chez nous. Ce pardon marque ma volonté de diriger un gouvernement qui soit celui de toutes les Aïroises et de tous les Aïrois. C'est pourquoi je compte, si vous me renouvelez votre confiance, le composer de toutes les grandes tendances politiques que connaît notre pays. Car je suis déterminé à conduire une transition qui soit la plus pacifique possible. Mais cette réconciliation ne serait qu'un leurre si nous ne parvenions pas à garantir la paix civile et le bien-être économique et social à nos populations. C'est pourquoi, si votre suffrage m'était acquis, le gouvernement que je formerai n'aura de cesse que d'atteindre très rapidement ses objectifs dans le cadre de la politique globale et sectorielle définie par la Conférence nationale souveraine. Au plan politique, il est de la plus haute importance, 1. De faire du Zaïre un État de droit. 2. De mettre en place, à bref délai, toutes les institutions territoriales décidé par la Conférence nationale souveraine. Trois, de conduire un pacte social avec tous les partenaires concernés. Quatre, d'accorder les partis politiques et leurs leaders sur un code d'éthique minimum à observer dans leurs activités. Cinq, de réhabiliter les forces de l'ordre pour les transformer en forces de sécurité véritablement au service des citoyens et protectrices de l'ordre public démocratique. Six, d'assurer partout le respect des droits de l'homme et le rétablissement dans leurs droits de personnes en ayant été privées. En matière de relations extérieures, le gouvernement de transition attachera le plus grand prix à relancer de toute urgence la coopération avec nos partenaires
bilatéraux et multilatéraux. Qu'il me soit permis à cette occasion d'associer ma voix à celle de notre auguste Assemblée et à tant d'autres compatriotes pour remercier nos partenaires extérieurs qui, par la rupture de la coopération avec la Deuxième République et le soutien tant matériel que moral apporté à la Conférence nationale souveraine, ont prouvé leur solidarité avec notre peuple dans sa lutte de libération de la dictature. Qu'ils sachent que notre victoire sera la leur, car c'est seulement quand nous aurons été libérés des pesanteurs de l'autocratie, quand nous aurons été mis dans des conditions où chacun peut donner le meilleur de lui-même, que nous serons de véritables partenaires pour eux et non d'une charge encombrante. La réalisation de préalables politiques ci-dessus créera un environnement favorable aux mesures d'assainissement économique et financier que le gouvernement de transition devra prendre pour arrêter la dégradation accélérée des secteurs vitaux de la nation et préparer dans la sérénité les prochaines échéances électorales. Au plan économique, sans préjudice des décisions de la Conférence nationale souveraine, l'urgence sera de mettre fin à l'hémorragie financière, de ramener les dépenses publiques à un niveau compatible avec les ressources réelles de l'État et de reprendre les négociations avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ces actions sont destinées à déclencher le processus de stabilisation de la monnaie et de la maîtrise de l'inflation. Afin qu'il puisse porter des fruits, ce processus devra être appuyé par un programme de relance de la production. À cet effet, le gouvernement de transition s'emploiera, 1. À maximaliser les recettes de l'État. 2. À réhabiliter progressivement les routes et les autres voies de communication. 3. À assainir l'environnement économique et financier de la nation. 4. À assurer l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers. 5. À étendre l'installation du courant électrique à travers le pays. 6. À assainir la gestion des entreprises publiques. 6. À assainir la gestion des entreprises publiques et celle du portefeuille de l'État de manière à accroître leur contribution à la relance de l'économie. Au plan social, les priorités seront les suivantes. 1. La reprise de la vie académique normale au sein des universités et des instituts supérieurs. 2. La réhabilitation sélective, dans un premier temps, des infrastructures sanitaires, de façon à doter chaque province d'au moins une formation médicale viable et à grande capacité d'accueil. 3. La réorganisation et la réglementation rigoureuse du secteur pharmaceutique. 4.
l'amélioration des conditions de travail du personnel enseignant, médical et paramédical à tous les niveaux. Et 5, la définition d'une politique salariale juste et décente. Monseigneur le Président, honorable conférencier et chers collègues, je ne saurais terminer ce mot de présentation de candidature sans réaffirmer la nécessité absolue de restaurer dans notre pays les valeurs morales et spirituelles sans lesquelles aucune société moderne ne peut connaître un vrai développement. Aussi, le gouvernement de transition fera-t-il tout ce qui est dans son pouvoir pour mener une lutte acharnée contre les antivaleurs sur lesquelles la Deuxième République était fondée. Notamment la corruption, la contusion, le mensonge érigé en méthode de gouvernement, la cupidité, le gain facile, l'égoïsme, le matérialisme et j'en passe. Par ailleurs, l'état de droit doit être sauvegardé et tous nous devons faire montre du plus grand respect des institutions de la République telles que définies par l'acte portant disposition constitutionnelle relative à la transition et les recommandations de la Conférence nationale souveraine. Car dorénavant, cet acte et ces recommandations constitueront le socle de tout l'édifice de la transition. Monseigneur le Président, honorables conférenciers et chers collègues, vous aurez certainement remarqué que je me suis limité à indiquer les principaux axes de l'action gouvernementale que je me propose de conduire une fois porté par vous aux fonctions du Premier ministre de la Transition. Cela tient à la fois à la nature spécifique de la transition et au cadre même de mon intervention. Il va de soi que fort des décisions et recommandations de la Conférence nationale souveraine, le gouvernement de transition vous présentera, si nécessaire, un programme d'action détaillé et complet. Enfin, m'adressant à notre peuple, il n'est pas nécessaire de rappeler que le gouvernement de transition n'opérera pas de miracle pour répondre du jour au lendemain à votre attente immédiate. Vos attentes qui sont manger à votre faim, vous vêtir décemment, soigner votre santé et payer les études de vos enfants. Le niveau de destruction de notre économie exigera de tous le travail, l'effort, l'abnégation, la patience, la foi en soi et la confiance dans le gouvernement ici de la Conférence nationale. Mais, chers compatriotes,
vous pouvez envisager l'avenir avec sourire et optimisme, car le gouvernement que j'aurai l'honneur de diriger, si vous en décidez ainsi, sera un gouvernement totalement voué à votre service exclusif. Car sa méthode de gestion sera la transparence tous azimuts. C'est ainsi que je termine. Monseigneur le Président, honorable conférencier, chers collègues, à dire à notre peuple tout entier à son service. Merci. La séance continue.